Sur Popcorn Paca. Popcorn. Le podcast qui vous propose une critique de Popcorn chaque semaine. Des calanques marseillaises, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cagole de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. Popcorn Paca est de Podcode Familia podcast Putain de Con. La vie est trop courte pour manger des aliments sains, Popcorn Paca épisode 150, moi c'est Cédric. Et moi c'est Thibaut. Alors comment ça va Thibaut aujourd'hui Eh bien, euh, écoute, moi ça va très bien, euh, mais je te trouve un petit peu, Cédric, toi, euh, un peu perturbé là, je sens que tu as une actualité brûlante à nous faire part. Oui, oui, oui. <laughs> bah, nous, vous je... savez que ma machine à popcorn, euh, ma fameuse Siméo rétro Series Family Pop FC 150, dont je vous parle très régulièrement à lâcher euh, la semaine dernière vous le savez si vous mais oui, nous suivez mais ça c'est malheureux obsolescence produit oui oui c'est oui oui, bah oui c'est sûrement ça parce que c'est déjà ma, 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 ma quatrième en cinq ans qui lâche ça commence cinq ans. à me ouais. cinq ans ça commence à me courir sur le haricot donc, déjà qu'on avait perdu un match, encore une fois, j'avais le seum, et alors je, re, je perds ma 6 retro Rétro Series Family Pop FC 150, euh, et j'ai encore plus le seum. Donc, ni une ni deux, je vais dans un de ces fameux euh, popcorn shops qu'on trouve euh, un peu partout. Un peu partout. Donc, je rentre dans la boutique, je, je vois le gars, je, je, je me mets devant lui, je, je lui parle, et je lui raconte écoutez, mon gars, j'ai mon 6 retro Rétro Series Family Pop FC 150 qui a lâché, et, et j'en voudrais un autre, tu vois tout simplement et le gars hein? le gars il est là il attend il dit rien il me regarde et non. je suis que quoi qu'est-ce qu'il attend lui quoi. Et, et, et tout d'un coup il me dit ah non ah non, ah non, je suis désolé, on a plus de Siméo Retro non. Series Family Pop FC 150. Je lui dis, vous confondez avec la 110, c'est pas possible. Il dit, non, non, la 150. La production est arrêtée à cause du, du virus ou je sais pas quoi, j'ai pas trop compris. Je lui écris, Fatch Moi j'en ai besoin, j'ai besoin du, du popcorn dans ma vie, j'ai besoin du popcorn pour faire nos, nos émissions, hein, on est suivi. Hein, et... Et voilà. Alors là, 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 il a vu que je m'énervais et il a un peu pris peur et il m'a proposé la gadji rétro. Une gadji rétro Mais oui, la gadji rétro. Je, je suis sérieux. déconnes À 29,90 €. Oui, celle-là. Il est fada, on est d'accord. Alors, alors là, j'ai dit "Et eh, Gadjo, tu te la gardes ta gadji, d'accord Si tu t'essaies de m'emboucaner, moi, je me ferai pas avoir." Alors il me regarde, il dit rien. Alors, j'ai dit, non, mais je viens chercher une Siméo Rétro Series Family Pop FC 150 et toi, tu me proposes une Gadji rétro avec sa petite cuve. Avec Alors. une cuve à 40 grammes, tu fais rien. Hein oui, on est d'accord. Et je suis sûr que les auditeurs seront d'accord aussi. Bah, dites-nous sur Twitter si vous êtes d'accord. On est d'accord que 40 grammes, que même que la Gadji, c'est totalement nul. Ils te refourguent leur merde, là. <laughs> oui, ben, c'est oui, fou. Du coup, je suis rentré pour couilles. Alors, je suis allé voir sur Internet et là, impossible de trouver. Alors là, je suis face à mon ordi. Je lui dis, putain, vous êtes au dernier mot, putain de con. Et Internet, il dit, il dit rien parce que parce l'ordi, c'est un ordi, il parle pas. Il y a pas l'intelligence artificielle, il y a pas Skynet encore. Bref, finalement, j'en je, je, suis venu à commander la Klarstein Volcano. Elle est pas mal. Ouais, eh ben ouais elle est ouais, vraiment pas mal. J'ai eu des bons retours de la Volcanon. Et en plus, elle était à 94,99 euros au lieu de 95 euros. Alors, je n'ai pas hésité une seconde. Enfin bref, ça vaut vraiment le coup, je pense. Mais bon, elle est en cours... je suis en cours de réception, donc je n'en ai pas pour le moment. Mais euh, voilà, c'est pour ça que j'étais assez chanchant, mais assez parlé de moi. Maintenant, on va parler de toi. Mais avant de parler de toi, je voudrais qu'on parle des auditeurs qui parlent de oui. nous. Si tu es. D'accord. Alors c'est un commentaire sur Apple Podcast et c'est ouais. un 5 étoiles. Alors on rappelle que vous pouvez aussi nous euh, mettre des commentaires sur euh, iTunes, c'est plus facile pour nous parce que c'est Ocha qui nous les met directement. Oui, on les voit on les et voit plus facilement. Podcast addict, moi je peux pas les lire et toi tu as qu'un iPhone pour les lire, mais on est Il faut aller sur l'appli, enfin c'est moins... sur voilà. le site ou la voilà, vieille site. Mettez-nous des 5 étoiles sur Apple Podcast, mettez-en plein. Mais bon, euh, écrivez aussi sur Podcast Addict, c'est très bien de toute façon, au final, on les lit quand même. Et alors c'est un commentaire de de Bogos du 13. Donc euh... oui, un ami <laughs> que l'on connaît. Non non, de... non 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 c'est un fidèle ah non, auditeur, pardon, on, on le ne connaît pas. pas euh, ce ne sont pas des, des gens qu'on connaît qui postent des commentaires. Non. Et même nous, nous n'avons posté aucun commentaire sur notre podcast. Non, <laughs> du tout. Mais beau Bogos du 13, Alors, qu'est-ce qu'il dit Eh bien, je vais lire son commentaire qui m'a euh, touché, qui m'a assez touché, qui m'a qui m'a ému. Alors, euh, je le cite. C'est arpenté bien pop-corn, pas cas de con. Après le trail, quand je suis bien cané, vers 10h du matin, je me mets dans mon cabanon et je vous écoute à me buvant un bon pastaga tout en grignotant des bons pop et en regardant le match à côté. C'est parfois un peu cafouche l'émission et les minos sont un peu rénés, mais j'aime bien, con. Ah oui. Donc voilà, c'est un message simple, sans équivoque. Ouais, sans équivoque. Et qui nous touche et franchement ça nous motive encore plus nous à vous proposer euh, plein d'émissions à vous accompagner à vous faire découvrir plein de pop-corn et euh, voilà on est on, est, euh, on est content donc merci et euh, auditeurs ben bah, euh, envoie nous euh, envoie nous ton adresse par euh, message privé ou par mail et on t'enverra un petit cadeau alors Thibaut à toi à part euh, le, le Mistral qui nous a euh, touché il y, y a quelques jours, as-tu une actualité à nous partager Eh bien, moi, je suis euh, enjoué parce que c'est le ah. retour de l'espoir, Cédric. Après, euh, <laughs> enfin, on a en ce moment, hein, personne n'est censé ignorer euh, cette espèce de microbe qui, qui nous gâche un peu le quotidien. Oui, oui, oui. Qui nous... oui, oui, oui tout Et à fait. il y a la première doublette le 1er mai 2021. Alors, ce n'est pas tout de suite encore. Hein. C'est pas la porte à côté, c'est dans le Haut-Rhin, le 68. Elle est, elle est toujours. n'a euh, pas été annulée Et non, à Sirens, ah. le 1er mai, pour seulement 10 euros. C'est la première doublette de la saison 2021. la Saison officielle, je l'entends. Et donc, ça fait renaître un petit peu l'envie de compétition, puisqu'on va y retrouver les têtes d'affiche habituelles qui vont nous sortir euh, leur plus grand jeu. On l'espère, donc c'est le 1er mai 2021 à partir de 8 euros avec mise par équipe à 10 euros. Ouais. Donc c'est assez abordable. Et tu vas y aller évidemment ce Je que tu aller fais à, chaque année à Sirens. Absolument. Et normalement, on devrait passer un bon moment. Je prendrai mon meilleur maïs pour les émoustiller. Là-haut, dans le Haut-Rhin, grande ville concurrente d'ailleurs pour la culture du maïs. Eh ben oui, oui, oui on l'a on déjà dit, mais on le rappelle, c'est toujours rappelle. bon de le rappeler. Bon, bah ben, Thibaut, je te propose de passer à notre dégustation de la semaine. Mais oui. Et alors, cette semaine, on va se faire plaisir. Bah ben oui. Alors, j'ai ramené un petit pop-corn et je crois que tu en as entendu parler. C'est un mandise Oh oui. Alors, c'est le haut du panier de la, de la GPM. Hein. Oui. La GPM, tu nous rappelles C'est l'Association Générale des producteurs de maïs, basée vers Toulouse. Et alors, c'est un maïs demi-tardif, denté Lancaster. Oui Et donc d'une origine nord-américaine. Bien sûr. C'est une variété euh, importée euh, des USA ouais. euh, par avion euh, au début, euh, au milieu du XXe siècle. Et je le sens bien. Euh, on a des auditeurs qui l'ont conseillé. Eh ouais. et on s'est dit bon allez tiens on va tester et du coup on va on va on va goûter ce. C'est un alsacien ce, ou c'est ce parverché non C'est loin quand c'est pas Marseille c'est loin de ouais. toute façon mais c'est Midi Pyrénées. Ouais. C'est un voilà c'est Pas trop loin. Ouais. C'est la miette du Loraguet quoi. Euh, oui. Euh, tu, tu vois. Il y en a, ils en font pas beaucoup. Hein. Non, non, non. Mais c'est pour ça qu'ils en font peu, mais euh, ils sont spécialisés et ça a du goût. Il est beau, en tout cas, tu, tu nous l'as ramené. Ah ouais, 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 ouais. On le regarde déjà, là. On, là, on regarde on a... le, le grain. Là, euh, là, on a les graines de maïs. Secs, on va dire, pas encore euh, éc transformés. Éc écoutez ce bruit quand on les lâche. Ils vont bien éclater, cela. Mais tu vois, on, on reconnaît bien son aspect euh, petit blanc, vitreux et allongé. Oui, tout à fait. Qui bien euh, là le symptôme d'un demi tardif denté et c'est 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 une très belle finition écoute ça il s'entrechoque de manière assez ce Il y a un fort ça. potentiel c'est pas ces espèces de, de trucs pégouze là qu'on voit dans les dans les supermarchés euh, discount d'ailleurs tu, tu l'as eu euh, c'est par Popcorn shop ou c'est euh, par une semence par internet euh, que tu l'as commandée, ce, cette merveille là. Non mais je suis tombé sur un forum, une adresse un peu douteuse, mais oh. Euh, oh. mais c'est arrivé très vite et voilà on va tester. Vous savez encore si vous nous suivez, vous le savez, il y, y, y a deux formes de maïs éclaté. Il ouais. y a le mushroom, Bien donc euh, qui donne ce côté arrondi et régulier, et le butterfly ouais. euh, qui est, qui éclate avec plus de liberté euh, et encore plus de, de bosses sur le côté. Donc voilà, moi, je, je préfère le butterfly, il est léger, euh, il s'accroche un peu plus sur le palais. Mais voilà, même si c'est un mushroom, on va voir, on va goûter, on va tester. Mais d'abord, on va, on va le cuisiner. En, on va aller en cuisine, mais oui, parce que du coup, tu nous as parlé tout à l'heure de tes machines, mais finalement, tu en as plus. J'en ai plus, et je le... suis revenu à la poêle. On va le faire à l'ancienne. Ouais. Un peu d'huile. Euh un peu de sucre, je suis revenu à à, à l'ancienne. Ouais, four à, à gaz. gaz. Plaque à gaz, pardon, pas four. Plaque à plaque Plaque, oui, je répète. Euh... Plaque à gaz. <laughs> et donc, et c'est mieux. C'est quand même, il y a, y a ce petit truc. C'est vrai qu'on est pris par le côté, c'est rapide, on est pressé, on met dans la machine, on laisse tourner, on les récupère après, on regarde un film on sur une euh, échanelle. Oh, oui, on passe à côté de quelque chose. Là, on revient à l'essentiel et on va, on va voir ce que ça donne. Donc, rendez-vous eh ben, dans allons. notre cuisine. Allons en cuisine de ce pas. Après, le petit sonal, bien évidemment. Bien sûr. Je suis chez moi à Marseille. Je suis chez moi à Marseille. Yeah, yeah. Marseille. Chez moi à Marseille. Chez moi. À Marseille. Bon ben bah nous voilà dans la cuisine ben euh, oui, donc avec superbe piano à euh, cinq feux avec un feu central plus fort que les autres comme, comme tout bon piano qui se respecte oui oui c'est important euh, ça nous permet de faire plusieurs cuissons différentes diverses et variées et j'ai dans mes mains le sachet que je, que je te laisse ouvrir absolument je... okay. Alors, ensemble oui. On sent que dedans le maïs c'était bien, qu'ils ont fait un bon voyage. Ah oui. Et ils s'entrechoquent d'une manière, mais j'adore ça. On dirait un liquide, euh... enfin, c'est magnifique. Donc c'est toi qui. Tu sens la beau... belle finition. Hein oui, oui. Et donc, ben, je vais commencer donc par. C'est toi qui va le cuisiner parce que tu es quand même un peu plus spécialiste. Moi, je suis euh, dans mes machines, mais euh, c'est toi qui est un peu bah, plus vrai spécialiste. J'ai été formé au, au pop-corn sur plaque à gaz. Oui, c'est vrai qu'on a fait ça. C'est euh... moi j'avais fait un stage là-bas. Oui, absolument. Donc, Donc je te laisse mettre le gaz. Voilà. Ah, voilà. On est très sur bien. la sur la mauvaise, <laughs> sur fais... la mauvaise. Mais on, on va de... allumer de... l'autre. Oui. Alors si vas-y. C'est ah c'est toujours, toujours la mauvaise. <laughs> c'est pas grave, on va le faire là-bas. Écoute. On va le faire là. Je très bien. Faisons-le. Écoutez. Écoutez le bruit du gaz. Je ne vais verse... pas celui de, de Thibaut. Non, c'est <laughs> bien le, le piano qui émet ce gaz. Absolument. Donc là, je vais y verser une petite huile. C'est une huile de tournesol. Donc là, il faut, il faut en mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. C'est une gro de... gros café. Là. On n'a pas entendu, mais ça. ça c'est un gros. Il a versé une belle, une belle, plaque. Voilà. Et je te redonne. Oui. Le paquet. Alors là, c'est le moment le plus Alors, important. Attention, écoutez, vous allez entendre ce que c'est un bon pop-corn. Un bon pop-corn. C'est des billes, c'est des billes. Voilà. Voilà. C'est magnifique. Ensuite, je pense je qu'il faut mettre... un Alors, un avant, on va un petit peu mélanger. Ah oui, bah oui, oui, bien sûr, pardon. Avec euh, une cuillère. De, oui, une cuillère qui se trouve. Voilà. Voilà. Non, ah, mais ça, ça passe sur l'huile, c'est merveilleux. Voilà, le, le but, c'est d'un peu wincer chaque graine. C'est beau, là tu sens la, la dentelle courte. Voilà. On va, on va couvrir, parce que ça va aller relativement vite avec le gaz, contrairement à l'induction ou aux plaques électriques. Voilà. Donc c'est hermétiquement fermé. Et à peu près, voilà, on va tenir peut-être. Je vais, je vais laisser ma main dessus. Et on va vous laisser profiter du, du bruit du, du popcorn qui va, qui ah va ouais. popper, qui va éclater. Alors on a mis un, un... mushroom un butterfly, on va voir, mais d'abord le son, ah, le popcorn. Un, donc, ouais, alors on a un couvercle euh, transparent, hein, c'est en Pyrex, ce qui nous permet à la fois euh, d'être euh, isolé et aussi d'avoir, voilà, ça commence, de voir le spectacle. Ah, ça commence. Ça commence. Il y en a un qui a sauté. Et ça commence à brunir, tel car là, les grains de maïs brunissent. Et là, on y en a deux qui ont popé déjà. Ouais, tu vois, ça, déjà, c'est un bon son. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, là, tu reconnais toute la splendeur des Midi-Pyrénées. Ça me rappelle la, la foire internationale du maïs de pamiers en 2007. On a eu un grain aussi pareil des, des Midi-Pyrénées de la sorte en finition Lancaster. Et on s'était régalé. Alors là il saute bien. Si seulement vous pouviez le voir. Mais on le, on le, on le sent à l'odeur. Quelle odeur. Euh, le... odeur. J'ai le micro tout chaud. C'est magnifique. Quelle odeur. Quelle odeur. Et euh, ça pop. C'est de la culture de pop, là. C'est la, la pop culture à l'état pur. Oh là 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 là, là. Je, je sens bien. Ça Alors ça, ça, ça sent bon, ça sent le cinéma, tu sais, des années 90, quand on arrivait arrivé euh, tout euh, émoustillé, chez Pâté, pour voir euh, la menace fantôme et on est sûr du butterfly du coup donc ouais, euh, très éclaté vrai. très euh, j'aurais un mushroom moi ouais, mais effectivement c'est un non, butterfly non non regarde il y a du euh, regarde ouais, ouais, on ouais, voit bien la différence est euh, assez subtile mais il y a plus de boss regarde on admire Absolument. Euh, il est, est il est incroyable et ben ça y est là on va être en ça pourrait en faire f... un beau fun cuisson T'imagines un popcorn géant comme ça qui sentirait bon le sucre D'ailleurs, en parlant ça de ça, euh... sucré ou salé, euh, Cédric Alors, je suis plus sucré. Eh bien, très bien. Alors Dans ce cas, il y en a qui sont adeptes de la formule au caramel, mais on va simplement les sucrer. Et d'ailleurs, petite anecdote, en Louisiane, il n'y a pas de, de popcorn sucré, c'est surtout du salé. C'est vrai. Euh, donc là, si vous êtes en Louisiane et que vous nous écoutez, vous devez, euh, vous vous dire, de, vous devez est crier au... Au, au scandale Alors, faut toujours un peu les goûter. Alors là on goûte. Hein. Alors là on, on goûte, goûte. De nature, il... nature, ouais, nature. Peut-être qu'on va l'enlever de la, de la poêle. Ah oui non mais il est, euh... il est bon hein. Il est, euh, il, est, il est, il est, vraiment bon. Et là il est même pas, même pas assaisonné hein. Là tu goûtes, tu goûtes vraiment là. On va, on va le saler. On va, on va, prêt, on va, le, on va le verser parce que c'est une autre étape, vous oui. le savez. Si vous nous écoutez, vous ah ben euh, manger à même la, la casserole. Hein. C'est du goût, c'est un aspect, c'est du pop, mais c'est aussi euh, le versement. Le versement dans un bol, le bol qui est évidemment euh, pas en verre. Hein, gros, on va pas ouais. prendre un, un bol en, en mousse euh, ça ne servirait à rien. Et un bol en plastique, ça atténue le sens, ça enlève alors, le goût, c'est la catastrophe. C'est bien parce que alors, tu nous as sorti un bol 20 Attends, fois es trop go. petit. Oui. Ne... <laughs> ne te brûle pas. un tout petit bol pour boire le C'est peut-être toi qui es trop un grand, n'as-tu jamais a... pensé à ça Tu as raison, je vais prendre un saladier parce qu'on oui. qu a un ami. On est <laughs> plus sur une solution saladier. Là, oui. Je n'ai pas de saladier, j'ai un... Ah. un plat à tarte. Écoute, alors... Écoutons la catastrophe voilà. écoutez, parce qu'on parle, on parle, mais l'auditeur mais n'entend pas. Alors, Thibaut s'apprête ouais. euh, à verser. Et, attention. Et voilà. Alors, on Alors, a vu que pendant la présentation, on a un peu. Il y a quelques grains malheureusement de maïs du fond un peu grillé. Oui, alors ça c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a moins d'amidon que ce qui est indiqué sur... Ouais. Parce que vu le nombre d'amidon, je crois qu'on est à 87%. On rappelle que plus... Euh, il y en a... Donc, il y a, des pop... il y a du maïs qui éclate et du maïs qui n'éclate pas. Le maïs qui éclate, euh, qui éclate, c'est euh, qui contient euh, et plus. plus de 80% d'amidon et euh, pas, pas, pas... Valérie, Valérie, Valérie rien à voir. Non, non, rien à voir. Et là, euh, on sent qu'il y a un petit peu moins d'amidon et ça la cramé, peut-être. Ou alors c'est l'huile. On n'est pas allé assez vite. Comme on était en pleine extase, on les a pas retirés assez vite du feu et on a quelques quelques popcorn du fond. Mais ce qui est dommage, c'est que comme on les a renversés dans le plat, du coup, les brûlés du fond se retrouvent au dessus. Au dessus. Et là, on a. Ça, ça, ça aussi, ça c'est un truc. C'est pour ça. Que je n'ai pas ce problème avec ma machine. C'est vrai. Avec la. Le la, la multicook V 6 euh, 369. Ah eh bah c'est bon hein Alors. On ne les a toujours pas sucrés mais... Euh... Alors attends, je vais goûter. On va... Oui euh, Profitant du... J'en prends un brûlé pour du voir. Bruit. Parce que peut-être que... Ouais. Ah mais c'est quand même... Il y a ce petit goût de cocotier. Ah ouais. De cocotier de, le, de la Camargue. Oui, on ressent bien les, les notes à la fois acidulées, mais euh, alors au nez, au nez, on est, euh, on est sur une note euh, fruitée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Céréalière, très céréalière. Et euh, il a as un retour de goût. Bah, il a du caractère. Hein. Ouais. Et il revient. Donc une fois qu'on le mange, il euh, y a un retour hum, minéral. Un retour minéral à la fin. Un retour de nez minéral. Et... Ah non, c'est euh, vraiment. C'est euh, une expérience. Hein. Merci, chers auditeurs, qui nous ont euh, conseillé parce que là. Ouais. On... Ah, ouais. C'est d'ailleurs oh, nos camarade de l'association de défense du maïs français qui. Ah ouais, franchement. Ouais. Nous ont envoyé ce petit échantillon. Ah ouais, peut en mettre 10 dans la bouche, c'est vraiment. Ouais. Euh. Un ouais. 15. Ah c'est Ah ouais, mais c'est. Ouais. Ah ouais, tout dire bon pas bon. Non, mais pas pas. Hein. Ouais, ah, bon ça, ça change envie que. Euh, le pauvre euh, ouais. de cette région-là, le c'est pas euh, comme celui des Hauts-de-France. Euh, mais il défend. Il défend. Il Et il défend. Et alors là, ouais. on... moi, si j'ai y mettre une note sur 20, ouais. je crois qu'on serait à euh, un bon 16. 16 16 sur 20, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, moi je serais plus. Non. 16 sur 20. Je, suis pas... je te trouve quand même assez généreux. Ah, ben, il faut ce qu'il faut Je suis le plus sûr du 15,8. Parce que... Oui Il y a quand même... Ça reste quand même... Ça que Attends, j'aurais... Je re que je... c'est... Je... 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 Je oui, ça... Mais ça colle... Ça un colle dedans, hein. Un petit goût oui comme on dit... Euh... Un choui. Dans Star ce Wars. Ce fameux goût qui fait... Non, oh, 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 oh. Oui, c'est poilu. Mais... Euh... Non, 15-8, t'es dur quand même, t'es vache. Ouais, mais 16, 16, enfin... Mais, mais c'est ton avis et c'est ça qui, qui est important. Ouais. Chacun a son ressenti sur le popcorn. Et je te demande oui. <coughs> devant quel film tu mangerais ce popcorn Ou quel programme Oui, alors. <coughs> ah, on s'étouffe. Ça va, ça, je suis vivant. Un popcorn, je dirais c'est un pop-corn. À... À James Bond, mais période... Peut-être plus Pierce Brosnan. Plus Pierce Brosnan, ouais. ouais. C'est un, un popcorn à Demain ne meurt jamais. GoldenEye, Demain ne meurt jamais. Pas le, non, Le Monde ne suffit pas, il lui faudrait un popcorn plus fade. Un peu plus fade, hein, oui. oui, oui on, on va est goûter après ouais. coup. Mais euh, un, un Demain GoldenEye. ne meurt jamais. Ouais. Un, un Tomorrow never die. Ouais. Et toi, ça te fait penser à quel film, ce genre de, de popcorn bah, C'est marrant, j'étais plus sur un... Un truc un peu plus récent, un peu plus explosif, aussi éclaté, un peu plus butterfly. Ah. Si j'ai envie de dire, hein, parce ouais. qu'on on a notre langage de popcorn. Euh, et donc, qu'est-ce qui serait plus butterfly Un truc, tu sais, sans. Ah là là, sans prétention non plus, quand même. Sans prétention, un truc réussi mais raté. Ah! Qui dit euh... les derniers jedi par exemple. star wars époque ah. euh, époque oui voilà on va dire ça D'accord, on est dans cette ah oui 12, voilà 15 8, voilà, 12, 15, 8. Ouais. ça plaît mais ça plaît pas mais ça ça colle aux dents mais pour... oui mais le son, euh... oui le son est une hein. douce mélodie ouais ah bah ouais, c'est et eh ben écoute donc c'est plutôt euh, un bon un bon score pour ce pour ce popcorn là pour ce maïs du Midi Pyrénée on ah ben va faire un retour, un compte rendu vite fait, et on va ensuite passer à la seconde dégustation. Hein, bah oui que... oui, que vous attendez tous. Hein. Là, alors là, par contre, on va, on va voir, mais oui, on, est, euh... on est dans une autre, une autre gamme. Moins sucré. Moins sucré, moins subtil. Eh bien oui. Bon, bah, franchement, c'est une dégustation à refaire. Je crois que j'en reprendrai. Peut-être pas pour. Euh, même pour autre chose qu'un James Bond ou, euh, ou un Star Wars. Hein, je... Un mauvais Star Wars. Mais euh, en tout cas, je, même avec un Fast and Furious suite euh, je me régalerais avec ça, tu vois. Ça, ça accompagne bien. Euh, C'est pas fou. faux. Pas bon, euh, passons à notre conseil voyage. Euh, avant, euh, mais d'abord, euh, un petit sonal. On m'appelle Alors, c'est toi qui a un conseil voyage aujourd'hui, Thibaut. Bah, bah, vas-y, euh, raconte-nous. Je crois que tu es parti euh, ce oui. week-end, euh, ce je... week-end oui. de, de cinq jours euh, ce que tu t'es pris parce que le travail, euh, bien pff, sûr. ça suffit au bout d'un moment. Et vas-y, raconte-nous. Eh bah, bien, ce week-end, je suis parti avec ma compagne. Et nous avons voulu euh, nous dépayser complètement. Hein. On avait marre un peu de, de la ville, l'excitation, ah oui, tout ça. T'es ouais. parti les, à la Ciotat. Non, les, les gens, non là, malheureux, c'est trop loin ah. ça. Ah. Et, et, les gens qui, euh, qui, 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 qui font les bouchons, tout ça. On a voulu vraiment un dépaysement. On est allé euh, pendant ces cinq jours, quatre nuits et euh, cinq jours, sur l'île du Frioul. Ah! Et là, je peux te dire qu'on s'est régalé. Tu sais, c'est au large dans Doom. Donc, on s'est pris l'hôtel à Doom. Oui, il a pas grand chose. Ce qui est bien, oui. c'est qu'en ce moment, tu pas à payer le supplément petit-déj, ils te le servent pas. Oui, non, il n'y a, ouais, a plus pas. ça. C'est marrant parce qu'on se renseignait avec ma femme aussi. Et, mais ouais, non, et on hésitait. Donc tu en conseilles Dume. du coup. Bah, Alors les îles du Frioul, tu, tu te prends l'hôtel en Doum, c'est dans le 7e arrondissement. Hein. Donc c'est juste en face, euh, on le rappelle, de Marseille. Hein, ah bah, le... le Frioul, c'est à, à, à deux bornes un bateau, par contre. C'est ça qui est loin Ça reste assez loin, hein. ça reste tu... assez loin mais ouais. accessible. Tu es déconnecté complet. Mmh. Tu te sens vraiment ailleurs avec des nouveaux paysages. Tu as, tu as cette eau qui est translucide et puis cette roche qui est, qui est blanche, qui, qui reflète le là, tu soleil. Rêver, là, tu, tu te dis, wow", et c'est vraiment les, les Caraïbes. Quoi. Et puis comme tu prends de toute façon le, le bateau... Tu, tu, tu sens que Fatch, tu vas loin. Mais c'est combien de temps en bateau Parce que moi, j'ai un peu le mal de oh, mer. C est, c est bon, euh, bon. 13 minutes, 13 minutes. 14, ouais, C'est dur pour moi. Quand un même, peu ouais. moins d'un quart d'heure, quoi. Mais moins le truc, c'est 2 minutes fait, de bateau, et, euh, mais ouais, ok. Ça doit faire au moins quatre ou cinq fois le vélodrome, quoi, le, les îles du Frioul, quoi. Ah, oui, oui. Ah, ben là, et, je vois euh, mieux, je vois mieux, je vois mieux. Ah, ouais. Et puis, alors, tu as, as aussi des, des autochtones hein, qui vivent dessus. Oh, ils ne sont pas nombreux, ils sont 140 à peu près, hein. Et euh, il était un petit resto. Bon, là, on n'a pas pu, mais il faisait click and collect. Donc, euh, ah. on a pu récupérer un panier repas. On s'est régalé. régalé. Et c'est vraiment, si vous voulez être dépaysé, couper un petit peu avec la cité phocéenne, vous allez aux îles du Frioul et vous euh, vous sentez euh, téléporté à Tahiti. Quoi. Oh là là. Moi, j jamais j'irai si loin quand on sait qu'on a le, le paradis, que le bonheur est dans la parce, baie. Parce que moi, ce qui s'est passé, je, veux, je suis allé à la plage oh. et il y avait il y avait ça. assez peu de monde en fait euh, en face en face du port euh, ah oui, tu sais à la, sur le... la plage des, des prophètes oui oui et, et je trouvais il y avait pas assez de monde et, et moi ce que j'aime bien à la plage c'est quand on s'entasse on est les uns sur les autres ouais. on, on se respire dessus comme en juillet mais oui où on va pas dans l'eau mais on est là en bronze, quoi et et là, j'ai eu ce truc. Il n'y avait pas assez de monde et je me suis pas senti bien. Et on s'est dit, avec ma femme, du coup, on va partir. On va, on va essayer de partir. On a cherché, mais finalement, c'était l'heure de l'apéro et on a, ah ouais. on a stoppé. Vous auriez dû aller à Grand Littoral, là. C'est bien, Centre commercial. Ouais. On est assez compliqué, ouais, ouais, bah quoi. On, on y va souvent. Donc, euh, on voulait changer, mais, euh, mais c'est. C'est vrai que c'est assez étriqué. D'ailleurs, bah, le... moi, j'attends euh, avec impatience. Euh, là, c'est la haute saison, hein, au mois ouais. de juillet, ah, pour pouvoir aller me, me caser entre... euh, à la plage des Prophètes et tu vois être ah, bien serré. Entre quoi. le 15 juillet et le 15 août, mais c'est parfait. Ah, et t'as pas besoin de mettre la crème solaire. C'est les gens qui se frottent à toi ah. qui, qui te donnent la crème solaire. Et hein, oui. puis un... tu vas entre midi et, et 14 heures, hein, bah, où le soleil est, est vraiment au zénith. La élites. fourchette. Et ça, c'est vraiment... Euh, bah, encore, vous, vous êtes plusieurs à faire ça. Moi, j'ai dit à mon auditeur. enfant, le soleil, il n'est pas au Zénith. Le soleil, il est au Dôme, là, en ce moment. <laughs> mais oui, oui, oui. <laughs> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est là qu'on se sent le mieux, quoi. Euh, j'ai de la famille. Sinon, ils vont à, à la Ciota Mais j'ai dit, mais arrêtez. La suite, ah, non, mais la suite, vrai. Oh, une demi-heure à l'autoroute. Euh, faut pas déconner. Et, puis, et après... parfois, c'est fluide. Il n'y a pas de et... bouchon. Ouais. Mais ça, c'est quoi et, et des fois, euh, la plage, il euh, y, y, a, y a de la place, quoi. Non, mais non, non on est d'accord. Euh... Et encore, ils sont fada hein ils ont fait des plages non-fumeurs. Où, où, où est le plaisir Non, mais. Pfff. Enfin, bref. Euh, enfin, voilà. on, on, est sait, bien, euh... on est bien où on est, mais parfois, un peu de dépaysement euh, ne fait ah, pas absolument. de mal. Et euh, en... alors, euh, dis-moi, Cédric, est-ce que toi, tu as eu euh, un coup de cœur eh ben, euh, culturel Justement, en podcast, parlant de dépaysement ouais. Euh, ouais. sur Netflix, ouais. j'ai euh, cherché une série qui, qui m'amènerait ailleurs. Et je suis tombé. Alors je vois cette affiche avec deux là. Oh. Marseille. Ah. Ah oh, Fatche de Ah oh là la bonne série. C'était. Oui. Alors ils l'ont arrêté. Euh, Merde. deux. Mais. Euh, Et pourquoi Je sais pas. J'ai pas compris. Pourtant il y a eu... Ça a été euh, adulé sur. Euh... Je suis allé voir les critiques. Je me suis renseigné. Ça, les gens ont adoré. Bah ben ouais. Et donc il y a deux par Dieu. Benoît Magimel. Benoît Magimel qui fait un accent marseillais euh, de dingue, c'est dingue. Il pas de Marseille bah, a priori non hein. autant que de façon son nom de famille autant que, par donc que ça Daniel fait Auteuil, pas Marseille. quoi. Ah ouais. ouais, ouais, ouais. Ah ouais donc c'est sur Netflix. Ça s'appelle comment Sur Netflix. Marseille. Euh, Marseille. M A R S, -S E I de L E. Bah, je, regarde, je regarderai que, et avec deux Z tu voles, c'est bah. beau. Et ça cette série elle s'est envolée dans mon cœur, c'était mon mon coup de cœur. donc il n'y a que deux saisons. Il se passe euh, tellement de choses bien. Euh, les personnages changent de, de leur évolution est pas logique, mais mais il y a ce truc original. Du coup, ils tentent ouais. des choses. Enfin, c'est et, et ça. Et, et on a voyagé avec ma femme. On a, on il y a des belles vues. On s'est posé, on s'est pris des pop-corn. Alors là, euh, des mushrooms, euh, ah plus, ouais. plus lisse. C'est pour les séries. Ça tient un peu plus longtemps. On peut se. On peut en manger pendant pendant une dizaine d'épisodes par soir à peu près. On a fini la série en, en deux jours. Hein. Ah bah, vous avez bien fait. C'est comme ça, de façon rien hein, qu Parce <laughs> et... qu'avant c'était pénible, quoi, Quand il fallait non. attendre dix semaines Mais pour non. finir une série de dix épisodes. Là tu prenais des kilos, con. Bah, ouais. bah, du coup tu manges pendant une semaine en attendant l'épisode et tu enchaînes et... Euh, parce qu'il faut pas bah... s'arrêter. Il y a ce truc avec le pop-corn, c'est tout un comment dire. Un dit, cercle une... vertueux. Oui, et c'est c'est pas un sprint, quoi. C'est un, un marathon. Ouais. Le pop-corn, on le déguste sur la longueur, sur la quoi. Durée. Et, euh, et quand on va. Et ça, c'est longtemps, quand même. Le cinéma. Et ouais. Le pop-corn qui fait du bruit, là. C'est à cause là. du microbe. Ça, ça me manque. Ouais, le microbe. Enfin, microbe. Connerie, oui. Ça, on le sait, ils nous prennent pour des fadas. Mais bon. Bah, DJ, il a dit. Hein. Enfin, bref, je vous recommande oui. Marseille sur Netflix. Eh ben écoute, du coup, je crois que la porte est complètement ouverte pour la deuxième dégustation. Ah, la deuxième dégustation. Alors, oui, alors, qui. Enfin, euh, je, ah, je me suis ouais. pas resté content, mais là, je viens de me rappeler que. Euh, c'est peut-être pas terrible. Mais non, bon, lançons cette... Du euh... Eh bien, justement, euh, Alors voici. A... Alors, vas-y. alors ben déjà nous ce beau que paquet. Je, que je te, ce te le montre, c'est du popcorn. Alors là, ça n'a rien à voir. C'est du, du maïs, pardon, euh, micro-ondes. Ah C'est du maïs à micro-ondes. Ah oui, non, mais ça s'entend. Non, mais verse-le, là, tu vas voir. On va, va l'entendre. Voilà. voilà. On, on parlait des grains qui s'entrechoquent. Là, il s'évite. Il s'évite, il évite. Bah, c'est pas euh, bon du euh, tout ça. Pff, ça va pas. Alors, ça, c'est du euh, maïs, c'est du Dante Steve Stalk Synthetic. Donc, c'est une ouais. variété américaine à base d'OGM. Ouais, ça, ouais, ça, 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 ça C'est quand même du Dante. Hein? Alors, tout à l'heure, on était sur du demi-tardif, là on est sur du précoce. Donc, euh, un goût complètement à l'opposé. C'est catastrophique. Et euh, ben bah, tu vois bien déjà rien qu'à l'aspect tu sens qu'on est sur du, du maïs de troisième division quoi. Hein. Là ça va pas ça va pas au vélodrome, ce genre de maïs là. C'est du c du maïs euh, même pas digne d'un discount. Moi euh, c'est moi qui l'ai ramené de chez euh, Promo Cash et euh, bon bah, pff, il a un goût de peu quoi déjà rien rien que son, son visuel. Sauf le visuel, là, tu sens que c'est une variété euh, hybride capable base de, de bah. lignées complémentaires aux là pour avoir euh, ouais, bah, cet ouais, aspect ouais, ouais. euh, c'est un véritable ah ouais. accident industriel. On affaire, va là. le on va le on va on va le chauffer bah, micro au micro ondes on, du coup 2 euh... minutes euh, puissance 700 watts. Oui bah oui, oui c'est ce qui revient souvent. On va bah, euh, mettons-le dans le micro ondes Et eh bien, c'est bon. Voilà. Mettons-le Là. Voilà. Et attendons. Ah, déjà... Je vais le chercher. Même le bip du micro-ondes est pas. Oui, tu sens que c'est le fond du, du panier, le du bip du micro-ondes. Ben voilà, voilà. Écoutez, écoutez. Il n'a pas éclaté. Il a pas éclaté du tout. Il pas. a pas éclaté. Il y a Alors, un là... grain sur trois Oh là là. qui n'a pas éclaté. Et je serais tenté de dire que là, on prend les gens pour des pangolins. <laughs> euh, non mais, non mais, non on, mais. on est sur le fond du panier de la troisième division, voire même peut-être la Ligue amateur. Écoutez, non, on, on va le goûter. On, on le va goûte. le goûter. Ah ouais. Ah non, mais c'est... Voilà, ça, c'est du produit... Euh, du, non, c'est du pas bon. Ça, c'est du produit américain. Alors ça, c'est quoi Non, c'est tout mou. Déjà, il y a un problème de la condensation, c'est-à-dire que dans la boîte en carton, ça a créé euh, de la vapeur d'eau, ouais, ça a ramolli. Tu as un truc molligasse. Ça, le, tu ça, te retrouves le avec qui un pop-corn complètement euh, mou. Tu as un pop-corn qui est censé être euh, salé, on ne sent pas le sel. Et ça, c'est quand même. Euh, c'est quand même un paradoxe complet. On dirait presque même qu'il est plus sucré parce que je suis sûr qu'ils ont rajouté un petit peu du, du, du sirop de glucose, histoire de lui donner ouais. un meilleur aspect. Mais je pense que c'est son albumène aussi qui n'est pas... Tu crois que c'est pas... De non. Mais tu vois, il est il un peu noirci. Hein ouais. euh, il, il était quand même à la base, il avait ce jaune-orangé. Euh, déjà, on le voit, on le voit que ce n'est pas terrible. Et, et, et ça a noirci. C'est son albumène qui noircit et qui Merde. montre que la qualité n'est euh, pas top. Euh, alors, les amidons, on en parlait. Alors là, il n'y en a pas. Euh, ça, c'est un truc qu'on que, qu trouve au supermarché. Ça, tu me conseilles mon cash, prends mon, mon cash. Euh, enfin, voilà, c'est 1 euro du kilo. Et euh, bon, je me suis dit, je vais quand même le prendre. Parce qu'on ne sait jamais. Euh, si jamais, une bonne surprise au micro-ondes euh, avec ces deux, on, on, sait on jamais. pourra euh, on éventuellement sait jamais. se prendre ça pour. Euh, pour regarder un match. Un petit match. Il y a le classico, ouais. là, en plus. Euh, pour regarder le classico. Mais Mickey, euh, euh, là, euh, ça ne va pas du tout parce que tu as un popcorn mou qui, qui craque à peine, qui n'a pas qui, de goût. Qui éclate à peine aussi. Fin... Je sais même pas te dire si c'est un mushroom ou un butterfly. C'est aucun des tu... deux, vu qu'il pas éclaté. ouais c'est un match, match uh, fly. En tout cas, sa péricarpe, sa péricarpe et son tégument sont... paraissent totalement. Euh... Absent. Disproportionné. Ouais, il n'est il est, il est pas, pas corné hein, celui-là. Alors que sur la photo, on te montre un truc qui n'est pas du tout contractuel. Là. Sur la photo, tu as carrément une sorte de, de demi-tardif comme tout à l'heure, l'excellent le, que l'on a mangé, ouais. qui n'a rien à voir avec le, le précoce qu'on vient, mais... euh, si mais... mais... vient de faire cuire, si je peux dire, qu'on vient vous... de faire tenter de popper. On vous refait écouter ça Ouais, euh, un tiers qui a popé Sympa. et deux tiers qui sont restés euh, en état euh, normal quoi fait, un en état de maïs mais la coiffe elle est, euh, elle, est elle est quand même euh, attends elle est, elle est très claire hein c'est euh, une clairette Tu n'as même pas de d'arrière nez de retour de nez ben bah y... as l'impression que tu mais, manges un chewing gum et ça c'est parce que c'est pas rattaché euh, à la à la rafle de toute façon ouais et du coup, euh, il est quoi Il est trop clairé. Enfin, est un... Il a pas de corps. Non, 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 non. Il est, il est, il est, il est coulant. Hein. On peut le dire. Il est coulant. Il a... il est court surtout. Hein. Ça... Est, en euh, fait, je ça suis, euh... je suis énervé en fait. Voilà. Nous, on est des spécialistes. Hein. Évidemment, on sait euh, les pop-corn. Une on... rondeur dans ce maïs. On l'a deviné. <laughs> on l'a deviné en le voyant euh, et, et l'emballage. Alors, euh, par ouais. rapport à l'autre, on sent la différence du, du plastique déjà. Mais ça c'est un plastique euh, non, je... ça, oriental d'Asie. c'est un, plas un plastique Bertrand, ça. Je ne suis pas du tout sûr de la qualité, rien qu'à l'emballage. Le prix, comme je vous l'ai dit, ah, euros du kilo euh... chez Promo Cash. On est loin. Il n'a pas de cuisse, quoi. Il n'a il pas de charme. Il n'est il est, il est même pas chambré. Il est, il, est ju il est cassé, son caractère capiteux. Le problème de, de vendre ce genre de choses, c'est qu'on fait un nivellement vers le bas du goût euh, des consommateurs et on va les habituer finalement à avoir euh, du maïs chambré et coulant alors qu'on pourrait leur donner euh, du semi-tardif comme tout mais à oui, l'heure. Mais oui, et, euh, ça ne coûte pas plus. Mais attends, la vie est trop insipide pour manger du mauvais popcorn. Mais oui, alors, alors, déjà quand on ne peut plus aller au cinéma. Au cinéma et et d'ailleurs, le, le popcorn au cinéma, on en parle, oh non, on n'en parle ah bah, là, on est dans on même pas. On ne va pas en parler, ça va, ça va nous énerver. Alors là, c'est euh, entre le butterfly et le mushroom, c'est du butter shoom. Euh. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Ce ne sont pas des jeux différents qui te mettent en ah, place le salé le... il est pas bon tu prends le sucré il est pas bon enfin y a rien qui est bon quoi et dans leur boîte en carton là non non ça annule le goût hein. on est on est pas oui, bon oui. du tout quoi ouais, totalement et, et depuis alors là encore plus depuis que les cinémas ont fermé euh, à cette période il y a il tout un regain de d'intérêt les, les ventes du pop-corn ont, ont explosé oui, évidemment vrai. Et, et ils la ont demande, popé ils ont popé et la demande a, <laughs> a explosé <et rire> Ben... Ah, ça me fait rire. Hein, ah ça me fait gaffe. rire parce que ah ouais. j'ai encore un bout de pop-corn. C'est euh... a encore popé sous la dent. un hein. peu coincé là. Tu vas finir chez le dentiste et te faire refaire la couronne. Tu quoi Je regoute le précédent pour annuler ce goût oui. qui m'a pété la dent. Vas-y, donne-moi le. Attends, je le goûte. Ah, me le donne-moi, moi. tu te démerdes. Enfin, non. Voilà, non, ça c'est bon. Fagasse, quoi. Ça c'est parce que c'est midi Piraigné. Hein. Non, mais attends. Ah, voilà. le premier était vraiment bon. Voilà. Et on le regoute. Hein. Au premier, Je referai coup, chez moi avec euh, ma femme ce soir. Je précise encore ma famille, le sucre. Mmh. Ah, ouais, je suis je faire sucre, c'est vraiment génial. Ouais, ça nous porte un peu plus. Hein. Non, mais elle est meilleure. Alors que là, mmh. franchement, j'ai perdu une dent, tu l'as vu Ouais, mais attends, mais il va falloir en faire. Hein. Heureusement que tu as la sécu euh, à jour. hein? Ouais. <laughs> Et. Voilà, on voit la différence. Et, enfin, on la goûte, si, on la sarme. On sait que vous êtes, que là, la consommation a explosé. Vous êtes, vous êtes des, des milliers, des millions en France à, à à manger du pop-corn maintenant devant vos séries sur Netflix ou Amazon ou Disney+. Ou Salto Ou on Salto, la surtout la sur plateforme. Salto. Alors ça, c'est celle qui a qui a, qui a explosé. Alors, et, et voilà, le pop-corn est, est fait partie maintenant du quotidien. De la culture. Et c'est important, donc il faut faire attention, c'est pour ça qu'on est là. On est mmh. là pour vous, pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous, vous poper, pour, pour que vos soirées soient sucrées, soient salées, mais qu'elles soient euh, merveilleuses, merveilleusement euh, pop -popcornées, avec un bon maïs. Voilà. Alors est-ce qu'on a, Cédric, un coup de cœur cette semaine On l'a déjà fait. Ah, c'est déjà fait Ah, ben alors on va s'arrêter là. Non Et non, on a pas l'a pas fait. Pub. Ah Voilà. Bon, bon je crois, euh, Thibaut. Oui. Que. Eh bien, en bon, je suis un. Oui, oui. oui. Écoutez écoutez encore. Ah, peu, encore. Que... Une fois. Ah, ouais. Là, vous avez la bouche de Thibaut. Fais écouter ta bouche. <laughs> On dirait qu'il fait des bisous au pop-corn. <laughs> On dirait qu'il fait le bisou au Popcorn. Non, mais vous en sais, la sensualité. Ah, non. ouais. Ah, on l'entend, on l'entend. On, on sent la région là. Et c'est ça le, le, le bon euh, popcorn... parce qu'il y a le bon et le mauvais popcorn. Le bon euh, popcorn, en bouche, il est il a, il a ce truc quoi. Alors que le mauvais, bah, il a cet autre truc. Euh... Ça va pas. <laughs> ah, c'est hein. ah, magnifique. Ah, non, mais euh, voilà. et, et on va regoûter. On va ah, regoûter un, 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 un mauvais. Vous allez. Alors, ah, là, là, là on, vous, on vous met les deux, les deux à l'écart. Je vais croquer très fort avec ma dent. Ah, ah putain. Ah. Ah. non, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Donc ah. euh, la qualité appelle la qualité. Ah. Du maïs de bonne qualité, fait du pop-corn ah, mon Dieu. de bonne qualité. On voit la pub. On oui, la pub. on en voit la pub. Attention, mardi prochain, dans votre carrefour Marseille Grand Littoral, retrouvez au rayon saucisson le nouveau chanteur Gilla et son tube Écoute podcast. Podcast. Écoute podcast. Podcast. Écoute podcast, Viens, écoute-nous, allez, let's go! On dispo partout, on pense à toi, gros! Du mardi au lundi, on t'oublie pas, gros! On a aussi un Discord, yo! Vas-y, ma couille, écoute tout! Il y en a vraiment pour tous les goûts! Tu vas me demander, j'écoute ça! Ouh, je te l'ai dit, alors à sur Play! Ouh! Écoute podcast, Écoute podcast, Écoute podcast, Écoute podcast. On s'est dit, retrouvez retrouvé sur tout mon plateforme de podcast un favori! Alors ça, c'est mon artiste favori. Il représente bien euh, la région. Oui, oui. Bah, le monde. J'écoute vraiment des, des artistes du monde entier. J'écoute de bouches du Rhône, dans le département entier. Hein. Occitanie Ouais ouais. Euh, pff, ouais, là ça commence à être... Rhône-Alpes, assez... non, pas les niçois. Hein. Rhône-Alpes, non, mais, euh, mais de, de bouches du Rhône, c'est déjà... Il ouais. y a tout un nid d'artistes euh, phénoménaux. Paca, Popcorn Paca. Et euh, cet artiste est, enfin, euh, magistral. Moi, il, il, il le Ah ben oui, il, il mèmeux les oreilles. Ai tu pas vois, dedans, écouter mais du Jules heureux. avec euh, euh, un bon pop-corn, c'est finalement une des choses simples de la vie qui fait que on est content. On est content. Et c'est ça, mon, qui nous, nous intéresse. Il faut qu'on soit content. Un biscuit un, un pop-corn Et devant, est... devant la plage. Voilà, avec. avec du Jules dans les oreilles. Et, contre les et là... avec la mer en face, les mouettes. C'est la vie. Bon, euh, avant l l de passer oui. à l'expression de la semaine, l'expression cagole. et oui. Ben, en voyant encore une petite, euh, un petit sonal. <music> Qu'est-ce que c'est, cette semaine euh... Alors, cette semaine, notre expression cagole, c'est « Arrête de mamboucaner Fadoli. Ah, Alors, elle est bien, celle-là. Elle est bien, elle est elle bien, bien celle-là. Elle, celle elle, ben, elle est claire, hein, aussi. Ah ben, c'est limpide. Euh, c'est limpide. Elle veut tout dire. Euh, Est-ce qu'on a besoin de l'expliquer Je crois pas. Pff, on dira juste que le Fadoli, c'est un peu le, la forme affectueuse de fada. Le fada, ouais, voilà. Le fadori, c'est genre... Ce fada qu'on aime ah, tant. Est ouais. fada Bon, il est l'heure de notre nouvel épisode de Sanpé! San, Sans Patrice, Patrice et Stéphane! Stéphane. San, Patrice, Patrice et Stéphane! Stéphane. Euh, moi, bah, euh, bien. <laughs> Vraiment. Euh, oui, oui, je crois. <laughs> tu te demandes sans doute pourquoi je t'ai fait venir ce soir. Bah, un peu. Ouais. On doit faire quoi exactement Je vais vous énoncer quelques points du règlement intérieur. Oh la barbe! Merci! Bon, c'est quoi le règlement intérieur alors? Il est formellement interdit de pénétrer notre concierge, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Et vous avez d'autres règles ou. Prends mon bras! On peut faire. <laughs> Vous êtes sérieux? Je suis navré, je suis un vieil homme. Sans, sans Patrice et Stéphane! Qui me dira pourquoi le mal de vivre. Sans, sans, sans Patrice et Stéphane! Stéphane Oh là là cette série tout plein de rebondissements toujours dans la finesse. Bon nous telles les mouettes on va on part euh, à euh, la, la quantité de pescaille euh, suffisante voilà. pour nourrir trop de monde <laughs> et qu'après tu te fais la, la bouillabaisse après tu rentres à la maison. Ah, C'est d'ailleurs ce qu'on va faire parce que là ça la fait la quand même une émission qui dure depuis ouf, depuis assez longtemps. Depuis trop... On est pour euh... pas manger une baisse oh. et boire un petit jaune. Un peu fatigué, c'est l'heure du, du pastis, de l'apéro, donc euh, ben. Bah, Merci. On est heureux de vous avoir, de que vous nous ayez écoutés pour cette. Euh, pff, alors on ne les compte plus. Oui, là, est ouais, les ouais, émissions. Est quasiment sa cinquantième de vous, Popcorn Paca. Vous devez être aussi spécialiste que nous. Eh bah, ben voilà, on se bon, on, sera, on se dit à la semaine prochaine. Bien euh. entendu, et puis euh, n'oubliez pas de nous suivre. Donc Popcorn Paca sur Twitter, euh, Facebook et Instagram. Et surtout, euh, mettez des bonnes notes hein, et sur des commentaires. De hein. Parce que euh, quand beau sur... gosse du 13, on vous, ouais. on vous envoie un cadeau, on vous envoie du maïs, un grain de maïs. Je peux vous envoyer ma dent, ma dent qui est tombée, c'est magnifique. Il y a un peu de sang, mais on va la nettoyer, évidemment, on n'est pas des, ah, on pas un des un, sauvages. Un grain hein. de pchit de, de bleu, de bleu <laughs> vitre. <Du> W5 <laughs> <laughs> Allez. Et, et n'hésitez pas, si vous avez une question, si vous cherchez une machine à popcorn, euh, avec Thibaut, on est là, on vous répond, on est là, on est Tout disponible. On... Les, les tips, les trucs et astuces, euh, quelle huile pour quel maïs, quel poil, pour quel type de feu, oui, est très quelle important, machine, hein, est très important. pour quel rendu, quel, quel réceptacle, euh, on répond, oui. euh, que ce soit sur les euh, réseaux sociaux. Mais surtout sur Twitter. <çaute> sur Twitter, oui, c'est. Euh, sur Twitter, là, le petit oiseau qui gazouille. On quoi On y est. Hashtag. Euh, euh, Popcorn Popcorn paca. Paca. Alors, P-O-P-P-Cornpaca. PO, p, 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 hein, p. p p a p, -P, p a enfin, euh, Voilà, vous, vous savez, vous nous suivez. Voilà, c'est pas la et, première euh, fois. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, je m'en suis aperçu là. Euh, le, les machines à pop-corn c'est bien, ça facilite. Mais en temps, facilement dans cette dans cette facilité, de dans cette, cette flema, marchandising, marchandising. Et, et, et il faut faire comme Thibaut, une petite poêle, un peu d'huile, du maïs, du bon maïs, du évidemment. Bon, hein. Et vous, vous avez vos pop-corn d'un goût gal. magnifique. On n'a même pas besoin de les sucrer. D'ailleurs, je vais en reprendre directement et je te laisse nous dire et le ben, goût de la fin. Pop-corn. Yeah Like like <laughs> like <laughs> ou le gros poisson que voilà et oui vous avez dû vous en apercevoir c'est un épisode de bino usa un peu spécial que vous avez écouté aujourd'hui puisqu'il s'agissait d'un poisson d'avril <laughs> et oui! orchestré par le label Podcut et euh, grandement tenu secret jusque-là. On n'a pas goûté de binous mais on espère que vous vous êtes bien marrés autant que nous en tout cas on s'est marré euh, à faire cet épisode. C'est difficile d'être au même niveau que, que Patrice et Stéphane, hein, je, je vous le dis. D'ailleurs, en parlant de Patrice et Stéphane, il se pourrait qu'ils aient aussi enregistré un autre épisode spécial d'un autre podcast du label. Pareil pour nous, peut-être que quelqu'un d'autre a sorti un épisode de notre podcast. Enfin bref, vous avez compris. Et d'ailleurs, on est qui Nous, pour ceux qui, qui ne nous connaissent pas, et vous devez être très nombreux, et, et, et si vous vous demandez, mais qui sont donc ces deux zigotos-là qui, qui, qui mangent et qui, qui crient sans cesse eh bien, on est Thibaut et Cédric donc de Popcorn Impact, et chaque semaine, ben, on s'incruste dans un film et on revient sur sa création et son impact. Et surtout, c'est notre petite spécialité, comme j'ai dit, on s'incruste. Et on, donc, euh, quand je dis on s'incruste, on s'incruste vraiment dans les films, on interagit avec les personnages, et euh, voilà, pour, pour, de, pour de, 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 un mélange d'humour et d'infos. Et d'ailleurs, pour avoir un petit aperçu de ce qu'on fait, ben, on vous a mis un petit extrait dans le San Pellegrino, un peu remixé. Euh, Qu'on a mis euh, en fin d'épisode avec euh, Dumbledore, c'était pour l'épisode Harry Potter. Bref, on remercie beaucoup l'équipe de Podcut et Patrice et Stéphane, bien sûr, de nous avoir euh, permis cette petite folie qui fait du bien, parce que oui, ça fait du bien de déconner, putain. C'est génial. Si vous avez kiffé, on vous invite à nous rejoindre sur le Discord de Podcut. Pour, on peut échanger, c'est voilà, la folie, on discute. On est, si vous avez des questions, vous venez vous poser des questions, on y répond, c'est trop bien. Ensuite, on vous invite aussi à écouter les autres épisodes du label ou même à nous rejoindre sur le Patreon pour avoir notamment un accès un peu plus poussé au Discord et avec des trucs un peu spéciaux pour vous et surtout à avoir... Par exemple, des articles en exclusivité. Oui, chers auditeuristes, vous avez bien entendu. C'est la, la folie. Donc voilà, rendez-vous ici même dès mardi pour le prochain vrai épisode de Binous USA. Et si vous voulez nous découvrir, eh ben, on se retrouve très vite dans vos oreilles.